Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage au jour du jeudi 25 novembre 2021 avec, et comme toujours, Monsieur le jeu 32. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, ça va toujours super bien. Donc oui, avant de commencer pour votre tirage du jour du jeudi donc 25 novembre 2021, j'annonce tout de suite les gagnants. Enfin, j'ai déjà eu, j'ai vu, vous m'avez... les deux gagnants, donc c'est Muriel Deligny et Lolo, hein, c'est pas Miss Lolo, hein, elle va se reconnaître, ce n'est pas toi, tu as déjà gagné la dernière fois. Donc là, c'est vraiment Lolo, d'accord. Donc j'ai vu que vous m'avez envoyé les emails, donc ça c'est ok pour moi, donc je vais vous écrire très rapidement. Et puis dès la semaine prochaine, je commence à faire vos consultations gratuites, d'accord, à tous et à toutes. D'accord. Enfin, ou à tous et à tous les gagnants. Hein. Ah ben non. Hein. Donc, voilà. Et comme promis, je vous annonce, hein, donc, je vous l'avais annoncé, qu'on remettra ça aux 70 000 abonnés, etc., etc. OK. Donc, voilà. Donc, demain, donc, pour ce jeudi 25 novembre 2021, il y aura la suite de la formation du jeu 32. Rendez-vous à 20h30, ça comme d'habitude, ça c'est ok, puis je crois que c'est tout ce que... Oui, ben c'est bon, allez, on y go, c'est parti, on perd pas de temps, tirage au jour du jeudi 25 novembre 2021. Donc le chiffre 25, 5 et 2, 7. Le chiffre 7 en numérologie, ça va nous parler de quoi? Ben, ça va nous parler de tout ce qui est lié à l'argent, tout ce qui est lié au professionnel, et ça nous parle de coups de chance, de petits coups de pouce. Soit vous allez être aidé si vous avez des soucis d'argent, peut-être demander de l'aide à quelqu'un, et en tous les cas, la personne vous pourra comprendre votre détresse financière, pour certains et certaines, bien évidemment. Donc, voilà, il y a vraiment quelque chose. Alors, quand je parle de gens, ça peut être des amis que vous connaissez, mais ça peut être, voyez, tout ce qui est association, tout ce qui est, voilà, il ne faut pas hésiter à demander, d'accord. Il faut toujours tenter, on ne sait jamais. Hein. Donc là, vous voyez, c'est les coups de chance. Le chiffre 7, c'est vraiment, ben, tenez, vous parlez à quelqu'un, puis hop, tout de suite, la personne pourrait vous aider. Donc ça, ça serait un petit coup de pouce pour vous qui vous ferait du bien. Donc tout ce qui est lié, hein, le chiffre 7, l'argent, le professionnel. Pour certains, si vous êtes déjà en activité, ben, peut-être une élévation professionnelle, tout simplement. Une augmentation de salaire, un petit coup de pouce de votre patron. Pour d'autres, si vous êtes dans une période longue de chômage ou courte, vous pouvez trouver un poste d'emploi et vous serez peut-être même bien payé, hein, mieux payé que votre ancien emploi. Je vous le souhaite en tous les cas. Donc ça, c'est ok pour le chiffre 7. La planète associée au jeudi, c'est la planète Jupiter. La planète Jupiter, en plus, elle est liée au travail, à l'expansion. Donc pour certains, j'oubliais, hein, le chiffre 7, comme je parle du travail, peut-être une envie de devenir auto-entrepreneur. Donc vous pouvez justement vous mettre à votre compte et ça pourrait, vous pouvez en tirer les bénéfices. Donc ça, c'est plutôt génial. Donc peut-être bonne nouvelle pour certains et certaines dans le domaine professionnel. Donc je vous le souhaite en tous les cas de tout mon cœur. Qu'est-ce que je voulais vous dire, ben, d'autre? Ben non, ben, c'est tout. Allez, on y go, hein, c'est parti. Non, mais allez, on perd pas de temps. Ben non. Oh non, mais on y go. Allez, monsieur le jeu de 32. Tirage au jour du jeudi 25 novembre 2021. On va voir à la coupe déjà pour commencer. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Il y a des nouvelles rapides, hein. C'est le cavalier, c'est le valet de carreau, c'est le cavalier qui galope, pour vous apporter quoi? Ben, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va vraiment vous surprendre, ça va être de l'inattendu, ça peut être une nouvelle concernant une invitation. Alors ça peut être dans le domaine aussi professionnel, hein. Nouvelle professionnelle, nouvelle dans le domaine sentimental tout simplement. Peut-être dans le domaine, c'est ça que je voulais vous dire, professionnel, on en parlait justement, enfin je vous en parlais avec ce chiffre 7. Donc quelque chose d'inattendu dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental. Il pourrait y avoir une invitation, hein, peut-être un premier rendez-vous galant. Quelque chose qui vous tracassait, il y a quelque chose qui va, cette bonne nouvelle inattendue, là, ces nouvelles qui vont arriver, c'était quelque chose qui vous tracassait. Alors, ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine sentimental, s'il y a eu une brouille avec votre partenaire ou ce n'était pas méchant. Vous allez avoir des bonnes nouvelles inattendues concernant à toutes ces contrariétés. Alors, ça peut être le domaine professionnel, sentimental, la santé, etc., etc. On va voir si la coupe ressort dans votre tirage du destin. Tout simplement. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Roi de trèfle, c'est vous, mon consultant, ma consultante ou éventuellement votre partenaire. Hein, d'accord? Personne de caractère, donc vous avez du caractère pour certains et certaines. Ou actuellement, peut-être une nouvelle invitation avec cet homme ou cette femme qui a du caractère. Hein.
Tout simplement. Allez, go, c'est parti, monsieur le jeu de 32. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. On y go, on y go. Allez, go, c'est parti. Bon, des nouvelles. Alors là, ah, plutôt intéressant. Ok, on a du déplacement, on a quoi? Il y a vraiment quelque chose d'inattendu vis-à-vis d'un petit déplacement. Hein. Peut-être ce rendez-vous galant avec cet homme ou cette femme, hein, si c'est dans le domaine sentimental. Bon, là, on a vous, mon consultant, ma consultante, ou éventuellement votre partenaire. Si je commence par vous, tout simplement, mon consultant ou ma consultante, pardon, partenaire, on va en revenir après. On nous parle que là, vous allez peut-être recevoir des nouvelles de votre maman ou d'une grand-mère ou en tous les cas d'une personne peut-être plus âgée que vous en âge. Sachez que si vous n'avez plus votre maman, sachez qu'elle vous protège ou une grand-mère ou une personne, en tous les cas, personne féminine de votre domaine familial. En tous les cas, c'est une personne qui vous protège, côté féminin. D'accord ? Donc ça, c'est positif. Donc peut-être que vous êtes dans une attente d'un courrier et là, on vous donne cette protection. Hein, d'accord ? Pour d'autres, ça peut nous parler de vous, mesdames, de vous, messieurs, mon consultant, ma consultante, concernant des papiers que vous attendez. Peut-être, éventuellement, il y a une histoire avec votre maman ou alors c'est votre maman qui a peut-être des problèmes de papier et vous allez devoir l'aider par rapport à ça parce que je vois quand même juste derrière cette dame de pique, on a un 8 de carreau. Donc là, peut-être que vous allez devoir intervenir pour votre maman ou d'une grand-mère concernant des papiers administratifs, enfin des papiers qu'elle va recevoir, d'accord ? Donc là, entre guillemets, vous allez l'aider, que ce soit vous, mon consultant, ma consultante. Pour d'autres, ça peut nous parler de votre futur partenaire ou de votre partenaire qui est dans la communication peut-être avec sa maman, d'accord ? Tout simplement. Ça peut être ça aussi. Mais ça peut être aussi dans le domaine sentimental, votre futur partenaire masculin, féminin. Et on vous dit que là, avec ce 7 de trèfle, ben, peut-être que vous l'avez rencontré sur les réseaux sociaux. Site de rencontre, en tous les cas, on nous parle de communication. Et ça peut être vous, hein, cette dame de pique, vous, messieurs ou vous, mesdames, à condition que vous ayez plus de la cinquantaine. Et tout simplement, que vous êtes veuve, divorcée, célibataire, vous avez fait ou vous êtes en communication avec un homme ou une femme. Hein, d'accord ? Tout simplement. Et il y a de la visite, là. Hein, vous allez vous voir, il y a peut-être une invitation, un rendez-vous galant. Mais plutôt sympathique. Allez, regardez-moi ça si c'est pas beau, 10 de cœur en dominant. Donc peut-être des projets sentimentaux, des projets tout simplement hein, que vous voulez réaliser avec cet homme ou cette femme. Regardez, peut-être des projets d'acheter en tous les cas. Ça, c'est plutôt sympathique. Donc des projets d'acheter une maison, un appartement, projet de construire à deux, construire ensemble. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Hein. Regardez, du face-à-face, des visuels. Donc peut-être un visuel avec cette personne. Ou tout simplement, des nouvelles face à face avec donc lui ou elle, hein, mon consultant, ma consultante ou votre futur partenaire masculin, féminin. Mais ça peut être aussi des visites, hein, des visites de logement, là tout simplement, hein, vous êtes en train de visiter. On nous parle de nouvelles, de visites concernant un fils, un meilleur ami ou d'un frère, waouh. Alors peut-être que là on a un papa, hein, sachez que si vous n'avez plus votre papa, sachez qu'il vous protège de là-haut. On nous parle de cet homme ou de cette femme, un W, on l'a en deux fois là. En tous les cas, cet homme, sachez que cette femme vous aime, vous apprécie énormément, a des sentiments très forts. Peut-être que cette personne a un fils, un meilleur ami ou un frère proche de lui. On nous parle de blocage. Peut-être que cet homme ou cette femme est bloqué en ce moment actuellement. Peut-être une personne qui est bloquée. Alors, soit qu'elle a du mal. Bon, certes, elle a des projets, elle a des sentiments. Elle vous aime, hein, parce qu'elle ressort dans votre tirage du destin en roi de cœur. Là, il ressort ou elle ressort à côté, mais en d'autres decks. Mais là, une personne qui a du caractère. Mais là, il y a une situation de blocage. Alors, est-ce que c'est lui qui bloque ? Est-ce qu'il y a une situation de blocage ? On nous parle en tous les cas de nouvelles. On a l'impression que cet homme ou cette femme avance timidement, mais sûrement. Regardez, un nouveau départ. Hein. Ça peut être une réconciliation aussi avec un ex. Un nouveau départ avec une nouvelle personne. Ça peut être aussi un nouveau départ vous concernant. Vous pouvez éventuellement aussi apprendre la naissance d'une grossesse autour de vous, la naissance d'un enfant. Une grossesse, tout simplement, ça peut être vous, hein, mesdames, à condition que vous soyez en âge, bien évidemment, d'avoir un bébé. Hein, vous êtes encore féconde et surtout, vous le désirez, tout simplement. On nous parle nouveau départ dans le domaine financier. Il y a de l'argent qui va arriver. Hein, je vous ai dit, chiffre 7, c'est plutôt intéressant. Peut-être concernant une procédure, peut-être un engagement, peut-être l'achat d'une maison. Hein, on signe, on fait un prêt, on achète. Il y a le banquier, le notaire. Attention, ça va créer de la jalousie. Tout ce qui est dans le domaine financier, tout ce qui est dans le domaine du couple, de votre nouveau départ. Et on vous annonce avec certitude, vous avez des jambes pas bons. Alors, le valet de pique, bien évidemment, hein, c'est soit une seule personne ou plusieurs personnes, masculine, féminine, vous mélangez. Mais en tous les cas, on vous annonce avec certitude, vous avez des jambes pas bons. Mais qui n'en a pas ? LOL !
bien évidemment, mais on s'en fout. Donc, on va faire les... je vais recouvrir les cartes. Qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai pas grand-chose à recouvrir. Je vais juste recouvrir cette carte de blocage. Ce valet de pique. Ah, j'ai mon oreille gauche qui siffle. Ça va, on dit du bien de moi. Oui, quand c'est la gauche, c'est du bien. Quand c'est la droite, voilà. Quand c'est la droite, c'est pas bon. Pareil pour les mains gauches. Quand ça vous gratte de la main gauche, surtout si ça vous gratte de la main gauche. Ah oui, je voulais vous dire, parce que je vous le dis vite fait, parce que là, j'ai... voilà, c'est les petits trucs que vous devez savoir. Il y en a qui le savent, hein, peut-être déjà. Quand c'est de la main gauche, si ça vous gratte de la main gauche, surtout ne grattez pas. D'accord ? Ça veut dire main gauche, vous allez recevoir de l'argent. Main droite, surtout ne grattez pas, c'est que vous allez en donner. Donc si vous grattez, vous allez donner plus qu'il ne faut. Et main gauche, si vous grattez, vous allez en gagner moins de ce qu'il ne faut. D'accord ? Donc surtout pas ne gratter. Il y a juste gratter le nez. Oui, c'est une personne assez âgée qui m'aime, je ne sais plus qui veut m'embrasser, j'en sais rien si je vous m'avais dit. Voilà. Me demandez pas pour les gratouilles de fesses, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Non, mais c'est important, les oreilles, les mains, et voilà. Tout simplement, quand vous voyez une mouche qui vient, une grosse mouche qui vient de chez vous, je vous le dis comme ça, je vous fais la totale. Quand vous avez une grosse mouche qui vient, qui fait, vous savez, qui rentre, hop, c'est signe de visite. Quand vous faites tomber un couteau, c'est des nouvelles d'un homme ou signe de visite d'un homme. Et quand c'est une fourchette ou une cuillère, c'est d'une femme. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Non, s'il y a des trucs qui me reviennent, je vous le dis. Voilà, c'est des petits trucs que tout simplement, voilà, savoir. Quand vous perdez un objet, vous priez Saint-Antoine de Padoue, tout simplement. Il faudrait qu'un jour, je vous fasse les saints, tous les saints. Ah ouais, on se fera une vidéo sur tous les saints. C'est très intéressant, les saints. Vous avez Saint-Christophe pour pas avoir d'accident. Bon, Saint-Antoine de Padoue, c'est... voilà. Je vous le redirai. Je demanderai à ma mère qu'elle me le fasse parce que moi, je ne me rappelle plus. Moi, je sais que c'est toujours Saint-Antoine de Padoue et je vous jure, ça marche. Hein. Donc, voilà. Mais je vous referai un petit truc sur les saints. Je dois avoir un jeu de cartes sur les saints. Ouais, je crois que j'avais acheté ça, mais c'était juste pour apprendre dans ma tête. Je ne me rappelle plus, hein. Je crois que je l'ai, mais c'est dans ma petite boîte là. Je vous ferai voir demain. Ouais, demain je vous le ferai voir, les saints. Demain, oui, bah tiens, à la formation. Mais il faudrait que je redemande à ma mère pour la signification. Je sais que moi je prie que Saint-Antoine de Padoue, bon, mis à part la Vierge et tout, mais qui n'a rien à voir. Mais voilà, et puis Miss Sainte-Thérèse, mais ça c'est la sainte de mon fils. Donc voilà, comme ça vous allez tout savoir. Bon, je reviens vite fait dans le jeu maintenant, mais je vous dirai les petits trucs qu'il faut faire. Tout simplement, donc on avait dit valet de pique, ok, donc il n'y a que le valet de pique qui est pas bon dans votre tirage, mais on s'en fout, c'est juste de la jalousie, hein, de la manipulation, on essaye de savoir ce que vous allez faire par rapport au projet, par rapport à cet homme ou cette femme que vous avez rencontré ou vous venez de rencontrer. Il y a des petits blocages, mais c'est pas méchant, mais je vais recouvrir quand même la carte. Alors, il y a les associations de cartes. J'ai que deux rois, j'ai que deux as, j'en veux pas. J'ai quand même trois valets, et dans les trois valets, il y a le valet de pique. Donc, on vous dira avec trois valets, c'est dispute. 4 valets, 3 valets, c'est un accord de trouvé. Donc moi, pour moi, j'ai un accord concernant une banque ou un notaire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai vu qu'il y avait 3-10. Waouh, génial. 3-10, joie sur un projet. On a bien la carte de 10 de cœur, les projets. 4-10, 3-10, c'est la satisfaction. Donc vous allez être satisfaite de tout ce qui est projet qui vont se réaliser. Tant mieux. J'ai quoi d'autre ? J'ai que 2-7. OK. Et c'est tout. Ouais, c'est tout, j'ai qu'un 9. Ok, donc je recouvre ça, et monsieur le valet de pique. Alors, valet de pique, ouais, il y a de la contrariété, hein. Enfin là, elle, voilà, parce que moi, elle est comme ça, hein. Vous voyez, elle est à l'envers. Je le fais qu'au 7 de carreau, hein, parce qu'il y a quand même une différence entre contrariété et colère. Donc là, il y a vraiment de la contrariété vis-à-vis de ces personnes-là, ou c'est eux qui sont contrariés, hein. Et on vous dit qu'il y a une femme qui est bloquée là. Vous avez peut-être une fille, une meilleure amie ou une sœur qui n'est pas bien, enfin qui n'est pas bien, qui bloque peut-être la chose, hein. C'est peut-être elle, ce valet de pique, ou alors elle fait partie de ces valets de pique qui bloquent la situation. Elle bloque pourquoi? Je veux juste savoir. Je vais recouvrir la contrariété. Oh ben j'en ai deux. Ouais. Alors là, alors peut-être que vous avez un souci, vous avez peut-être une fille qui a un problème de santé, mais ça sera de courte durée, ça va bien se passer. Mais faites attention, vous avez une femme, en tous les cas, proche de vous, qui n'est pas bonne. Mais ça va vous surprendre, elle va même limite vous inviter, cette personne-là. On a une invitation. Et sur la contrariété, on vous dit qu'il y aura du retard. Donc il y a bien des choses qui vous contrarient concernant ces gens-là qui essayent de retarder les choses ou qui vous bloquent tout simplement. Allez, monsieur l'oracle des miroirs, c'est parti mon kiki. On nous parle de distance, d'éloignement. On nous parle de chance. Il y a un coup de chance, là. Hein. Il y a quelque chose... Oh, j'en ai plein. Il y a un coup de chance qui va arriver pour vous.
Allez, on y go, monsieur l'oracle des miroirs. Tirage du jour du jeudi 25 novembre 2021. C'est parti, mon kiki. Pour le sentimental. Ouais. Il y a bien quelque chose qui vous tracasse. Ou il y a un problème de santé, là, qui doit être résolu, vous serez tranquille. Donc, si vous avez un petit problème de santé, on l'a vu tout à l'heure, hein, il y avait peut-être quelque chose qui vous tracassait, mais on avait quelque chose d'inattendu, des bonnes nouvelles qui allaient quand même inattendues arriver concernant la santé. On avait, vous rappelez-vous, le valet de carreau à la coupe, le 8 de cœur, et juste derrière, on avait le 8 de pique. Donc là, il y a vraiment quelque chose, un soulagement vis-à-vis de la santé ou un soulagement concernant quelque chose qui vous tracassait. J'ai quoi derrière la santé? Ouais, voyez, Alors, ça peut être un souci par rapport pour avoir un bébé, hein, tout simplement. Mais il y a un nouveau renouveau derrière, hein, d'accord? Bon, de toute façon, on avait le 7 de cœur. Hein. Allez, on y go, c'est parti, mon kiki. Hey, balai de pique, jalousie, go. On nous parle de vous ou de votre partenaire masculin-féminin. On nous parle des choses qui vont se faire dans le temps. Oh, magnifique, ouverture. Il y a des rêves qui vont se réaliser. Regardez, ça ressort. Coup de chance. Bon, bah écoutez, ça va être magnifique. Bah, comme sur le jeu 32, hein, il y avait juste ce valet de pique avec certitude. Là, on vous confirme bien qu'il y a de la jalousie. Et de la jalousie vis-à-vis. Alors, ça, attention, parce que là, il y a deux cas de figure. Bon, on va dire qu'il y a de la jalousie, hein, par rapport à cet homme que vous avez rencontré, on l'a vu dans le jeu 32, ou cette femme. Et ça vous rend instable, ou lui, ça le rend instable, il ressent, et vous allez devoir vous éloigner de cette jalousie. Mais ça peut être votre partenaire masculin-féminin qui peut être un petit peu jaloux, hein, d'accord? Bon, c'est pas méchant. Bon, mais moi, pour moi, c'est la jalousie par rapport à ce personnage que vous allez rencontrer, cet homme ou cette femme, ou avec cette personne que vous venez de rencontrer, bien évidemment. Alors, mes amis célibataires, il y aura bel et bien une rencontre, on nous parle qu'elle est là, il est là. On vous dit qu'avec cette personne-là, les choses vont se faire dans le temps. Donc, tout ce qui est projet, etc. On nous parle d'une très belle ouverture. Hein. Il y a un renouveau avec vous, hein, avec cette personne. On nous parle de rêves, de projets qui vont se réaliser en tous les cas. Et on nous parle de coups de chance. Mais faites gaffe, toutes les choses-là qui vont se passer, ça va être bénéfique pour vous. Mais pour eux, ils en auront la rage. Je vous jure. Là, ils en auront la rage. Et ça va peut-être perturber votre compagnon ou votre compagne. Hein. Ça va le rendre instable parce qu'il va ressentir ou elle va ressentir cette jalousie qu'il y a autour de vous. Alors, ça peut être du côté de votre entourage, hein, cette jalousie. Pas nécessairement du côté de la personne que vous allez rencontrer. Hein. Pareil pour tout le monde. Pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, on vous dit bien qu'il est là, elle est là. Les choses vont se faire dans le temps. Il y a une très belle ouverture qui se porte pour vous. Hein, cette nouvelle porte, cette nouvelle vie qui s'offre à vous. Il y a des rêves, mais voyez, dans la carte du rêve, vous êtes là, hein, en quelque sorte, vous dormez, vous rêvez. Et là, vous voyez, vous avez des serpents là qui, même dans vos rêves, ils sont là. Mais on vous dit que vous avez un coup de chance. Coup de chance vis-à-vis de cette personne que vous avez rencontrée et surtout concernant cette jalousie. Vous allez balayer tout ça, il le faut. Mais en tous les cas, je pense que votre homme ou votre femme avec qui vous venez de rencontrer va faire les choses parce que ça va le rendre instable, ça va l'agacer. Donc, je pense qu'il va vous demander de vous éloigner de tout ça. Et il a raison et elle a raison. Pareillement, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, on nous parle de vous, on nous parle de lui ou d'elle, de votre mari, de votre femme. On dit que les choses vont se faire dans le temps. Il y a peut-être des projets qui vont se réaliser. Il y a un nouveau départ dans votre vie. On nous parle de rêves qui vont, pourquoi pas, se réaliser. En tous les cas, ça serait un coup de chance. Et on nous parle de jalousie. Donc, il y a bien des gens autour de vous, dans votre famille, autour de vous, des amis. Là, c'est vaste, hein, la jalousie. C'est un ensemble. Et on vous dit bien qu'on est jaloux et ça peut agacer votre mari ou votre femme. Ça peut rendre instable, mais pas par rapport à vous. Mais vous allez vous éloigner de tout ça. Pareillement, pour celles et ceux qui veulent divorcer, on vous dit que vous êtes là, il ou elle est là, votre mari ou votre futur ex-mari, votre future ex-femme, les choses vont se faire dans le temps, le divorce va prendre son temps, il y aura une fois que ça sera fait, il y aura une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, tant mieux, il y aura des rêves enfin qui vont se réaliser, il y aura un coup de chance, mais faites attention, ne divulguez pas trop vos rêves, même si vous êtes en instance de divorce, parce qu'on essaiera peut-être de vous bloquer, on l'a vu tout à l'heure avec Monsieur Jutranto, en tous les cas, il y a de la jalousie, hein. Faites attention. Pareillement, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, il est là, elle est là, votre partenaire masculin-féminin, les choses vont se faire dans le temps, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous deux, en tous les cas, il y a des rêves, faites attention à ce serpent qui ondule, même dans vos rêves. On vous dit qu'il y a c'est un coup de chance, hein, d'avoir rencontré cette personne-là, mais faites attention, ne divulguez pas trop, restez discret, discrétion s'il vous plaît. Si vous êtes en relation triangulaire, ça pourrait se savoir, ça pourrait être répété et ça pourrait quand même tracasser votre partenaire masculin-féminin parce qu'il y aura quand même de la jalousie si ça se sait. Bien évidemment.
Et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. On vous dit, il est là, elle est là. Les choses vont se faire dans le temps. Vous allez vous remettre ensemble. Il va revenir, elle va revenir. Ça sera une nouvelle porte qui s'ouvre. Un renouveau avec cette personne. On nous parle de rêves. Vous avez des projets ensemble. Mais faites attention aux gens autour de vous, même dans vos rêves. Vous allez le ressentir. Vous avez peut-être rêvé hein, qu'il y a des gens qui vont vouloir se manifester, mais en tant que jaloux. Et on nous parle d'un coup de chance, hein, le fait que cette personne revienne dans votre vie. Faites attention à la jalousie. Eh oui, mais la jalousie, on s'en fout. Eh oui. Bah oui, on s'en fout. Ah là là. Eh oui. C'est comme ça, hein. Vous savez, dans la vie, il y a le bien, il y a le mal. Hein. Il y a le yin, il y a le yang. Il y a le côté gauche, il y a le côté droit. Ah oui. Ah oui, c'est ça qu'il faut que je vous dise. Parce que c'est vrai que je ne l'avais pas dit. J'avais fait un direct par rapport à tout ce qui est en rapport avec l'état de santé. Bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Bon, après, voilà, la santé fait partie de nous, hein. Bien évidemment, comme la mort, bien évidemment. Oui, parce que vous savez, mais ça, je vous le redirai. Ben, sinon, demain, je vous le redirai. Vous avez le côté droit et vous avez le côté gauche. Et ça, je vous le redirai. Comment vous soignez? Parce que vous pouvez... Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais elle est bête, Oléana, si on est vraiment dans une urgence absolue, bien évidemment, allez voir votre médecin traitant et surtout appelez les urgences. Mais quand c'est des petits maux passagers, mais même quand vous avez une maladie, je vous dirai demain. Mais redites-moi-le en commentaire quand on sera en live, enfin quand on sera en live, pour que je vous redise. C'est des petits trucs, mais banals, qui pourraient vraiment, vous allez voir. C'est un truc tout bête, vous verrez. Allez, on y va. C'est parti, monsieur le Béline. Tirage du jour du jeudi 25 novembre 2021. On y va. On nous parle de changement, on nous parle d'espionnage. Oh! Donc là, il y a du changement qui va arriver pour vous, mais faites attention, on vous surveille là. Mais il peut y avoir un éclaircissement. Waouh, vous êtes protégé, vous allez être aiguillé de là-haut. Là-haut, on va vous aiguiller, hein. On va vous montrer les choses, là. Yes, changement sur... On vous demande que vous avez besoin de repos, peut-être changement parce que vous allez changer d'endroit, de milieu, de logement, ça va vous faire du bien. On l'avait vu tout à l'heure, peut-être un projet de changer de logement. Vous allez être mieux, vous allez sentir, alors, peut-être pas à la campagne pour ceux qui restent en ville, mais vous allez être plus tranquillou. Alors peut-être que vous avez actuellement des voisins qui vous voilà, ben, regardez, hop là. C'est pas beau ça, mis à part ça. Bon, là, on voit que vous n'êtes pas bien du tout. Hein. Là, vous êtes la carte du cloître, c'est l'enfermement, l'emprisonnement, c'est tout ce qui est hôpital. Voilà, vous êtes enfermé, vous n'êtes pas bien. Là, mais là, associé à tout ça, c'est normal. Là, on a un très beau jeu. Vous allez me dire, eh, oh, oh, elle n'est pas bien la mère Olé, il y a trahison. Oui, mais elle est en dominant. D'accord ? Donc, ça veut dire que là, peut-être que vous allez apprendre j'ai quoi derrière ? Ouais, plaisir, je ne vais pas plus loin. Donc là, vous allez apprendre des bonnes nouvelles qu'une personne peut-être va être emprisonnée, va faire un procès. Ça peut être un procès, hein, qui peut être emprisonné, qui va avoir du sursis ou qui peut faire de la prison, tout simplement, hein, si vous êtes en procédure. Mais là, en tous les cas, vous allez avoir gain de cause. Cette personne-là qui vous a trahi va prendre cher. Vous êtes tellement fatigué que vous allez recevoir de toute façon de l'argent, ce qui vous est dû. Donc là, vous allez, une fois que cette histoire-là va être passée, on va la recouvrir, hein. Vous allez vraiment vous relâcher, hein. Vous allez avoir besoin de repos, de santé. Et on vous dit, vous allez toucher l'argent. Elle est en dernier. Donc, vous touchez. Vous avez gain de cause, là. Donc là, il y a une situation où tout ce qui n'est pas bien, là, vous allez pouvoir enfin respirer. Vous allez vraiment prendre du plaisir par rapport à ça. Par rapport à cette trahison-là, hein. Mais ça vous a beaucoup, beaucoup miné, hein. Changement, vous voyez. Concernant tout ce qui est trahison... Ça y est, hop, on oublie, changement, vous allez enfin reprendre un nouveau départ. Vous allez devoir quand même vous reposer. Et suite à ce repos, vous allez pouvoir enfin toucher. Ou alors, c'est concernant une maison, un bien immobilier, il y a eu une histoire avec une maison, un appartement, ou alors il y a eu des soucis pour la vente d'une maison ou d'un appartement, et ça y est, vous avez gain de cause. Hein. Et vous allez enfin pouvoir respirer. Bon, ça, c'est parfait. Monsieur le Grand était là, on y go. Vous voyez, je perds pas de temps, moi. Hein. Oh là là. Bah non, faut pas perdre son temps. Ça sert à rien quand c'est fluide, c'est bon. Bah oui, tout simplement. Quand même. Allez, go, c'est parti. Mon kiki. Allez, Monsieur le Grand était là, c'est parti. Tirage du jour du 25 novembre 2021. Hop, hop. On nous parle d'ignorance, on nous parle de désunion. Donc là, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous avez été ensemble. Carrément, peut-être
Vous avez été ensemble quand même un bon petit moment, hein, puisqu'on a quand même cette désunion, on a une personne qui pourrait revenir, on a le militaire c'est les nouvelles, hein, c'est les nouvelles qui arrivent de loin, on nous parle d'ignorance, c'est une personne qui vous a ignoré et vous allez vite fait l'expédier, je vous le dis. Hein. On a quoi derrière les désunions? C'est comme ça. On a quoi? L'espérance. Naissance, renouveau. Là, je crois que là, pour certains, vous allez c'est comme si, pour certains, vous êtes en plein divorce. Et là, c'est comme si la personne, une fois que vous allez divorcer, elle va vouloir revenir. Pour d'autres, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un ex avec qui vous avez été resté quand même un petit bout de temps. Mais là, on vous conseillerait de l'ignorer. Mais de toute façon, je pense que vous allez l'ignorer puisque vous allez l'expédier vite fait, bien fait. Hop, à dégager. Oh, bah alors, non, j'en ai trop. Bah oui. Non, c'est comme si la personne revient, quoi. Comme si elle avait oublié qu'elle vous avait fait du mal. Voyez ? Coucou, me voilà. Voyez, il y en a un imprévu. Ah bah tiens. Vous allez recevoir des nouvelles hein, dans la journée hein, du jeudi 25 novembre 2021. Donc là, il y a des news qui vont arriver. Hein. Ça va être imprévu. Concernant une femme. Nouveau départ. Alors, vous pouvez apprendre la naissance d'une femme pas bonne autour de vous qui essaye de vous avoir à l'usure. Faites attention à tout ce qui est nouvelles connaissances aussi avec la naissance. Hein. Ça peut être une réconciliation, ça peut être de nouvelles connaissances. C'est comme la carte du 7 de cœur. Et on vous dit que ça va être imprévu. Faites attention. Pour d'autres, ça peut être aussi des nouvelles d'un homme ou d'une femme qui est déjà avec quelqu'un. D'accord ? Ou alors, vous allez faire la rencontre d'une personne et cette personne-là est en rupture ou c'est son ex qui n'arrête pas, ex masculin, féminin, vous mettez, et elle veille au grain, hein, je vous le dis, hein, faites attention, elle veille ou il veille au grain, donc lui ou elle ne lâche pas l'affaire, donc il y a vraiment peut-être une rencontre qui peut se faire, mais faites attention, parce que j'ai quand même, voilà, j'ai quand même cette naissance qui est là. Donc, il y a quand même un nouveau départ, fibrune, vous voyez, dissension. Il peut y avoir un désaccord violence. Donc, faites attention parce que vous pouvez avoir des nouvelles de cet ex qui essaye de... Et l'imprévu, c'est quoi? Ouais, solitude. La personne, elle n'est pas bien là. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont faire une rencontre ou alors il y a un ex qui revient. Mais la personne, si vous faites une rencontre, la personne vient de se quitter ou son ex n'arrête pas d'être là. Pourtant, il y a un nouveau départ avec cette personne-là. Il pourrait même y avoir un bébé, hein, au cas où, parce qu'on avait sorti le 7 de cœur. Pour d'autres, ça peut être des nouvelles d'un ex qui n'est pas bien, qui vous a quitté, il ou elle, par rapport à une personne, et il voudrait reprendre avec vous, ou elle voudrait reprendre avec vous. Mais l'ex est là, hein, et ça va être violent, là. Hein. Ouais, éloignement. Vous allez devoir vous éloigner ou c'est elle qui va devoir s'éloigner. Parce que vous n'allez pas, de toute façon, vous n'allez pas vous laisser faire. Puisqu'il y a la carte de la dissension. La carte de la dissension, c'est violent. Donc là, il y a une histoire où c'est peut-être pas fini hein, avec une personne. Ou alors, c'est une nouvelle relation. On va voir avec Monsieur Papus que ça ressort. Allez, petit père Papus, c'est parti. Tirage au jour du jeudi 25 novembre 2021. C'est parti, mon kiki. Ouais, on a l'ermite. Hein. On vous appelle à la prudence, peut-être avec un signe du lion. Alors, peut-être pas avec cette personne. Hein. On a un signe du lion. Ça peut être vous, mesdames, vous, messieurs, puisque le signe du lion, comme je vous ai dit, vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Vous êtes des personnes qui, ouais, qui ne se laissent pas faire, signe de feu. On nous parle de l'argent, là. Là, on vous demande de faire attention à la prudence vis-à-vis de l'argent, côté, on va dire, financier. Vous allez être victoire. Hein. Alors, ça peut être... Là, j'ai un 7 de denier. Le 7 de denier, c'est tout ce qui est la patience. Vous avez été patient, c'est le travail. Vous avez tout bien fait, tout le travail a été fait, vous êtes dans l'attente. C'est comme si on vous doit de l'argent là. Ouais. Et ça peut être une histoire de procédure qui se terminerait entre le 1 et le 10. Enfin, le jugement serait rendu. Et là, alors, soit c'est vous qui êtes signe du lion, soit c'est la personne en face de vous qui est signe du lion, ou alors il y a une histoire qui a commencé une procédure au mois de juillet 2020, voire 2021. Mmh. Mais vous allez, de toute façon, vous avez la victoire, vous allez toucher. J'ai un chiffre 9, hein, c'est la fin. Hein. Et là, j'ai un 71, chiffre 8.
c'est la justice. Donc là, on vous dit bien avec l'ermite. L'ermite, c'est la lenteur, la réflexion, la solitude. Donc là, vous êtes dans une attente, alors soit dans le domaine sentimental, d'une personne qui pourrait avoir de l'argent, d'une personne qui est peut-être d'un signe de feu, enfin surtout Lion, ou alors que vous l'avez rencontré au mois de juillet de l'année dernière ou il y a 2 ans, ça, 2020-2021. Ou sinon, c'est une histoire de procédure qui est très longue, mais vous avez la victoire. Et ça se terminerait au mois de février. D'accord ? Si ça peut vous aider. Ah oui, demain, je fais les plus de 60 ans. D'accord ? Et puis, vendredi ou samedi, je vous ferai les procédures avec Monsieur Papus. D'accord ? Je suis gentille, hein, quand même. Je vous le dis. Mais je commence à fatiguer, hein, je vous le dis. La mère Olée, elle va prendre du repos. Non. Enfin, si, je vais prendre du repos, mais pas tout de suite. Non, mais j'ai pas pris de vacances, en fait. Je vous jure, sérieux. Je commence à fatiguer, hein. Allez, go. C'est parti, mon kiki. On y go. Ben non, j'ai coupé. Oh, la mère Olée. Hey, ça ressort, l'argent. Hein. Ça ressort, hein. Hey, le monde. Génial. La carte la plus forte dans le jeu de Papus, dans le tarot de Marseille, etc., etc. Le monde. Le soleil. Le monde. Le monde, c'est quoi? C'est la réussite. C'est les déplacements, les voyages, les rencontres. Tout ce qui est lié aussi à l'étranger. Tout ce qui est lié aussi au blocage, hein, chiffre 22, voire 21, hein, puisqu'il y a les deux. Donc, vous voyez, le 2 et 1, le 3, le voyage, etc. Les pays à l'étranger. Soit une personne d'origine étrangère, hein, si c'est dans le domaine sentimental. Et le 22, c'est le chiffre où vraiment vous avez... bon, certes, on ne l'additionne pas, hein, mais c'est vraiment... Vous allez ressentir beaucoup de choses, beaucoup de fluidité, beaucoup de ressenti. Vous allez vraiment ressentir les choses. Et là, on a le soleil. Le soleil, c'est waouh, c'est magnifique. Ça, le soleil correspond au dimanche. Donc, c'est vous-même, c'est notre ego, c'est nous. Et vous avez vraiment la réussite. On a l'empereur derrière. Génial. Chiffre 4. Peut-être une situation qui était bloquée avec un homme ou une femme. Hein. On a Jupiter derrière. Jupiter, c'est lié au travail. Hein. Puis on est pour jeudi, on a la planète Jupiter hein, pour ce jeudi. Magnifique. En tous les cas, vous avez le monde. Magnifique. Alors, la réussite. Vous avez un conquérant là qui arrive, là, qui il arrive au galop. Qu'est-ce qu'il veut, nous ? Qu'est-ce qu'il nous veut, le chevalier de bâton ? Il est là. Hein. Il est bien, bien posé, bien droit. Il tient son bâton. Peut-être que c'est un petit peu conflictuel. Peut-être que soit c'est un petit peu conflictuel, soit vous avez deux mêmes caractères. C'est lequel des deux qui va se soumettre à l'autre ou dominer l'autre. Mais en tous les cas, lui, il est bien déterminé. Et le chevalier de bâton, il va nous apporter quoi? Enfin, il va nous dire quoi? Il va nous dire « Courage, c'est un prétendant, il se bat pour vous avoir. » Donc là, il vous veut. Hein. Ou il ou elle vous veut. Mais il avance, il recule. Il avance, il recule. Mais il est décidé quand même. Hein. Donc là, réussite avec le monde, avec cet homme ou cette femme. C'est une personne qui a peut-être de l'argent. Hein. On nous parle encore d'une situation où vous avez la victoire concernant une relation peut-être qui avait commencé au mois de février avec cet homme, ou cet homme est du mois de février, ou cette femme, ou c'est vous. Février, c'est quoi? C'est Poissons et Verseau, si je ne me trompe pas. Donc là, ouais, des nouvelles de cette personne. Hein. 7 de denier, génial. 7 de denier, c'est... Alors, quand je dis génial, c'est une personne, on va dire, qui a été trahie, qui a été volée, qui a été mentie. Donc, c'est une personne, c'est associée avec ce chevalier de bâton. Alors, ça peut être vous hein, aussi. Hein. Dans votre cas, vous avez peut-être été dans le passé trahi. Vous avez été trahi, vous avez été volé, on vous a menti. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez la victoire. Et donc là, le fait de rencontrer cette personne-là, si c'est dans le domaine sentimental, ben, cette personne-là va vraiment vous aider, va vraiment être sincère avec vous. Elle va vraiment vous rebooster. Pour d'autres, si c'est dans le domaine de justice, là, on a quand même ce chiffre 71, hein, vous voyez. C'était un 8 dans le domaine d'une procédure. Le 8, c'est tout ce qui est lié à la justice. Vous avez ce 7 de denier. Donc, peut-être que vous êtes dans une attente. On l'a vu tout à l'heure, comme je vous ai dit, il y a une histoire qui va prendre fin au mois de février, entre le 1 et le 10, là. Hein. Donc, et vous allez gagner. Vous allez avoir la victoire matérielle concernant une trahison, vol, les mensonges qu'on a pu vous faire. Et là, on finit avec l'impératrice. Donc, l'impératrice, elle est à l'envers, mais peu importe. Là, elle n'a pas d'importance, hein, comme c'est une figure. L'impératrice, donc, elle, quand elle est à l'endroit, l'impératrice, elle va nous dire que, bon, c'est vous, hein, vous êtes une personne qui communique. Alors, ça peut être une personne de commerce, ça peut être une patronne, ça peut être une personne publique, ça peut vous concerner, vous. Vous pouvez peut-être, justement, vous mettre à votre compte hein, pour devenir, justement, public, hein, face au public, avoir un public, être en contact avec les gens, communiquer avec les gens.
Ça peut être un poste important, ça c'est plutôt pas mal, et vous pouvez avoir des bonnes nouvelles dans le domaine professionnel. Ce sera une femme qui vous appellera. C'est bien ça. On a la planète Vénus. Donc Vénus, c'est une personne qui vous aimera beaucoup, qui sera beaucoup sensible. Mais ça peut être vous, hein, bien évidemment. Je recouvre pas parce que les cartes sont super bonnes. Ok, c'est comme ça. Voilà, vous me connaissez, la mère Olé, jamais elle ne vous recouvrira une carte positive. Jamais, jamais, il ne faut pas le faire. Non, pas du tout. Carte négative, oui. Carte positive, non. Voilà. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love, je vous adore. Prenez bien soin de vous. On se retrouve donc pour votre formation. Je vous dirai pour les... Ah, je vous mettrai... Ben, je vous ferai une petite photo là tout à l'heure pour les seins. Et ça serait intéressant de le faire. Peut-être pas demain parce que j'aurai pas le temps, parce que je suis fatiguée. C'est vrai que je suis fatiguée. Mais peut-être un prochain direct où on fera tous les seins et, parce que c'est intéressant. Et vous avez juste à leur prier. Et je vous dirai qu'est-ce qu'il faut faire pour prier. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher sur Internet, parce que de toute façon, sur Internet, c'est des bêtises, bien évidemment. Les vraies neuvaines, non, les vraies neuvaines, ça se retransmet. Les personnes qui ont beaucoup de neuvaines, qui ont les vraies neuvaines, je vous le dis au cas où, au passage, c'est les personnes qui sont les magnétiseurs, les guérisseurs. Eux ont les vraies prières. Ça s'appelle des neuvaines et c'est très puissant. Mais je vous le redirai, vous verrez. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bonne nuit surtout parce qu'il est tard, désolée. Donc à demain, ciao ciao, je vous aime, je vous kiffe, je vous love, je vous adore. Ciao ciao, bisous.